c'est Antoine, et je suis en compagnie de monsieur Florian Viel, bonsoir à tous, et voilà, ce soir un stream un peu spécial parce qu'on a la chance, l'insigne honneur de recevoir monsieur Christophe Assir, voilà, qui a un peu roulé sa bosse dans l'industrie pharmaceutique et qui va nous en parler. Certains qu'il aura beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses intéressantes à nous apprendre, monsieur Christophe Assir. Non, c'est définitivement pas possible. Non. C'est pas possible. Non, vous êtes trop jeunes, les gars, c'est trop tôt encore. On a tenté une OPA sur QP Pharma, ça passe pas. On s'est fait hacker la semaine dernière par Paul Pharma déjà. Ça manque encore un peu de maturité, ça manque de barbe blanche et tout ça, quoi. Hein. Et on va démarrer d'emblée, je dirais, par une présentation fantastique de la part de. Qui commence? Qui est le moins poli? Le moins poli, c'est probablement moi. Commence alors. Allez, c'est parti. Mon parcours commence en 1995, bien entendu, avec ma naissance. Oui. je passe très rapidement sur la brillante carrière scolaire qui me caractérise. Ce qui m'amène tout de suite à une PACES, donc première année commune des études de santé qui, beaucoup le savent peut-être, mais c'est une année qui permet de s'orienter soit en médecine, soit en pharmacie, soit en sage-femme, soit en dentaire, soit en kiné. T'as pris sage-femme du coup? J'ai eu sage-femme, j'ai décliné. J'étais pas assez sage. Ouais. J'étais femme, ça allait, mais c'est le côté c'est sage. C'est le côté sage, ouais, c'est ça. Mais donc voilà, c'est une année pour les gouverner toutes, qui donne accès en fonction des résultats qu'on a cette année à la filière qu'on désire. Ça m'a tellement plu que j'en ai fait une deuxième. Bien sûr. À l'issue de laquelle je me suis orienté vers le choix le plus facile, finalement, la pharmacie. Bien sûr. Tout simple, la pharma. Voilà, sans vraiment savoir à la base que j'allais faire industrie, parce que, en fait, pour le commun des mortels, nous, on vit dedans, donc ça nous paraît évident, mais le commun des mortels ne sait pas ce que c'est un pharmacien industriel, en fait. C'est vrai. A même du mal à savoir ce que c'est l'industrie pharmaceutique en général. Pour ceux qui nous suivent, ils commencent à savoir un peu, quoi. J'espère. On défriche quand on y va à la machette, quoi. Des nouveaux, quelqu'un, on les accueille avec plaisir, mais. Normalement, voilà, ceux qui sont là, ils savent ce que c'est. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas. Donc, je partais pour faire pharmacie avec l'idée de l'officine. Pendant mes études, je travaille un peu en officine. Je me rends compte que ce n'est pas forcément ce qui me convient. Et j'entends parler de l'industrie qui, pour le coup, m'intéressait beaucoup plus. Les études avancent, je les termine. Donc, la dernière année en filière industrie pour les pharmaciens, maintenant, c'est un Master 2 que je fais à Bordeaux. Master Management International. Oula! Yes, of course. Développement pharmaceutique, production et qualité opérationnelle. Donc, très généraliste. En alternance donc chez un CMO au service transfert industriel. Un CMO, qu'est-ce que c'est, Florian, un CMO, s'il te plaît? Très bonne question, mon cher Christophe. Un CMO, c'est un contract manufacturing d'opérateur. Organization, ouais. En fait, on dit une CMO, en fait. Ouais, tu vois, mais tout le monde dit un CMO. Voilà, et en fait, c'est en français un sous-traitant, un façonnier. Voilà. Quelqu'un qui travaille pour les autres, en fait, qui n'a pas la propriété intellectuelle de ses produits, mais qui loue ses engins de production et ses capacités de production, moyennant finance, bien entendu. On ne fait pas ça gratuit. Non, je crois pas. Ça dépend. Et donc, voilà, l'alternance donc, dans ce service transfert industriel chez ce fameux CMO. Alternance qui s'est concrétisée en CDI. Et on arrive déjà à la fin de notre carrière, parce que moi, je suis quelqu'un de très fidèle et... je suis à un poste, je m'y tiens, donc ça fait déjà deux ans que j'y suis. C'est vrai, putain, c'est beau. Hein. Et voilà, pour l'instant, ça fait plus de 700 jours, du coup, c'est énorme. 700 jours et j'ai arrêté de compter les minutes parce que... Ouais, évidemment. Ah non, mais c'est déjà un beau parcours. Voilà. Je laisse la parole à mon collègue, mon estimé collègue, monsieur... Oui, malheureusement, collègue, oui, c'est vrai. Choisis pas ses collègues. On va repartir sur la même base. Une base plutôt santé. Déjà, c'est pas 95, toi, je crois. Mais... Non, c'est 92, mais on va pas en plus le dire. Mauvaise année, hein, bientôt la trentaine. oui, du coup, on va reprendre la même base, PACES. J'ai fait une année de PACES. Ça s'est pas concrétisé du tout pour ma part et j'ai pas voulu en réessayer une deuxième. Non, t'es traumatisé quoi. Non. Ouais, peut-être trop jeune aussi. Ouais. Peut-être pas. Voilà, peut-être la maturité pour réviser, etc. Enfin bref, c'est aussi un changement de vie complet, hein, quand même, ce passage-là. Du coup, j'ai fait une licence de biochimie, biologie moléculaire cellulaire à Mont-Saint-Aignan, juste au-dessus de Rouen. Et derrière, je me suis orienté, et ça va être la première ici sur ce stream, en agroalimentaire. Ne me jetez pas la pierre. et donc, j'ai toujours eu,
J'étais toujours proche de l'alimentation, je suis petit-fils d'agriculteur, etc. Donc ça m'a toujours touché. T'aimes manger aussi, non? J'aime bien manger, c'est on vrai. Dirait pas. Enfin, ouais, mais ça, c'est le métabolisme, ça. C'est le sport. Ouais, c'était ouais, des centaines de kilomètres par semaine. Ouais, on est très sportifs tous les deux. Ah ouais, incroyable. Enfin, on n'est pas là pour ça, mais on pourra en faire un stream. Ouais, voilà, on va parler plutôt plus tard. Et donc non, du coup, je suis parti sur une école d'ingé agroalimentaire, et cette fois-ci basée à Caen. Donc ça s'est fait sur 3 ans. Donc derrière, c'est généraliste, c'est les produits carnés, produits laitiers, produits de la mer, les végétaux, etc. On voit tout, c'est-à-dire qu'on fait du labo, les analyses qu'on fait habituellement pour les différents produits. D'accord, ouais. Et puis derrière, on fait... Et de la prod aussi. Enfin, t'as appris à fabriquer des crevettes roses et des yaourts, quoi. Enfin... On fait de la gestion de prod, qualité, mécanique de fluide, etc. Et derrière, en gros, on avait un pôle industriel où on avait les machines. Aussi. D'accord. Donc on a touché aussi aux machines. Donc on a fait ça 3 ans. Derrière, j'ai fait du coup mon stage de fin d'études en Bretagne. Donc c'était dans la poudre de lait infantile. Donc on... On touche okay. un peu à de la pharma également. Ouais, t'es pas loin, ouais. Ouais. On est pas loin, hein, on en vend en pharma, donc en pharmacie. C'est clair. Donc j'ai fait ça du coup en Bretagne, c'était une usine qui venait de se monter. Donc en gros, j'ai vu le montage des murs, j'ai vu les équipements arriver, etc. Donc c'était, c'est pas du transfert, c'était vraiment implantation d'une nouvelle ligne de prod. Ah ça c'est cool donc, ça. C'était atomiseur, c'était derrière tout ce qui était mise en boîte, etc. Donc moi j'étais sur la partie conditionnement, c'est-à-dire mise en boîte. De la poudre de lait. Mémoire, c'était du coup un book opérateur, c'est-à-dire comment on nettoie, comment on utilise la mécane. Derrière, c'était comment on change le format, etc. etc. Un truc très opérationnel, un mode-up, quoi. Ouais, un c'est ça. Mode-up, mais pour toutes les lignes de condi. D'accord. Donc ça, c'était la base. Et derrière, du coup, j'ai poursuivi en tant que chef d'équipe de la partie condi, au final. Derrière, bah, c'était toute la partie qualification des mécanes, etc. Qui a joué. Et par la suite, vie perso a fait que je suis revenu par ici, en Normandie. Ouais. Et là, bien sûr. Et comment j'ai eu la chance de rencontrer une personne, Madame CBU, hein, on va pas la nommer, qui m'a fait confiance et du coup qui m'a fait rentrer dans la pharma stérile. D'accord. Toi à la base, c'était pas forcément une acquaintance. Ah, c'était vraiment pas du tout. J'étais toujours T'es plus dans les yaourts. Comment? T'étais plus dans les yaourts et la crevette. Parce que non, c'est différent pour... de la pharmacie finalement. Non, Des pots, on remplit des flacons. Ah ouais, non, mais c'est clair. Pareil. Sur la partie process. On met juste un filtre derrière. Et puis... Ouais, vite fait, pour faire des trucs stériles. Non, mais du coup, pourquoi tu voulais faire de l'agro à la base t'avais un... Parce que comme tu disais. L'agro, c'est plus ça me touchait personnellement. Ouais, c'est... mais tu voulais faire de la. T'avais un but, je veux dire, pour dire, je voulais. Genre, t'avais une sorte de vocation, tu voulais faire industriel dans le produit laitier ou un truc comme ça. Alors j'ai une petite attirance pour les produits type brasserie, bière, etc. Mais voilà. Je suis un brasseur amateur. Ah ça c'est chouette ça. Eh bien on va en parler pendant 2 heures. Non mais c'est plus voilà c'est plus personnel. C'est quelque chose qui attire ou pas comme flou la pharma ou autre, je pense. Ben oui. Donc voilà et puis derrière j'ai eu la chance de rencontrer de bonnes personnes qui m'ont fait intégrer pharmastérile. Carrément. Ou tu fais aussi du transfert produit oui, et ça, tu participes. Oui ça par contre j'ai toujours adoré. Ouais. Je pense que j'ai complètement adoré ça quand j'ai fait la poudre de lait infantile. Et je pense que c'est ça qui me botte. C'est pas forcément agro, pharma ou autre. C'est transfert industriel, c'est-à-dire implantation de nouvelles lignes ouais. ou transfert de nouveaux produits, tout ça. Quoi. Et est-ce que le mode de gestion de projet, du coup, c'est quelque chose qui vous a attiré aussi? Parce que souvent on discute de la dualité entre la gestion de projet avec ses timings, son temps qui est défini quelque ouais. part un peu à l'avance, et la routine où en gros on n'a pas de faim et on voit les choses. Alors en ce qui me concerne, c'est pas forcément quelque chose qui m'a attiré. C'est pas la raison pour laquelle je suis venu là, parce qu'en ouais. fait le travail en mode projet, on entend beaucoup ça à la fac sans savoir ce que c'est en fait. Ben ouais. Et maintenant que j'y suis, c'est vrai que c'est très stimulant parce qu'en fait, moi ce que je retire du travail en mode projet, c'est un rythme qui est très variable, avec des périodes hyper intenses et d'autres beaucoup plus creuses qui laissent. Le temps de faire les choses un peu plus en profondeur. Et donc voilà, c'est vraiment des grandes variations de rythme qui font que pour ceux qui apprécient travailler sous pression, c'est pas mal, je pense, parce que ça permet d'avoir ces phases vraiment de rush sans forcément que ce soit 100% du temps, parce que personne ne peut tenir, je pense, être sous pression tout le temps. C'est très stimulant, puis voilà, une période un peu plus douce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien, bien sûr, mais qui permet de.
travailler un peu plus sur ce qu'on n'a pas eu le temps de faire quand c'était la folie. Ou sur le fond, ou sur d'autres trucs. Ouais, voilà, de diversifier un peu les sujets. Et en plus de ça, bon, je pense que c'est un sujet qu'on abordera, mais dans le projet de transfert industriel, on a vraiment en fait une palette d'activités qui est hyper large, hyper variée. On travaille avec quasiment tous les services de l'entreprise en fait au final. Donc ça permet de voir vraiment beaucoup de choses, sur une semaine faire 4, 5, 6 tâches différentes, et donc vraiment on s'ennuie pas quoi. Ouais, donc des thèmes super variés, parce qu'on n'est pas que sur du process pur et dur quand on fait du transfert, c'est ça qui est intéressant.